C'est vrai qu'avec l'expérience, dans ces cas-là, on apprend à mieux gérer son stress. Il y a quand même une grande part de hasard dans ces moments si difficiles. Et voici qu'approche le premier tireur. Oh voilà! Bonne frappe et la série qui commence bien. Oui, il a bien tiré. C'est un penalty superbement placé. Il marque lui aussi. Un partout. Il n'avait livré aucun indice et ça a marché. La série se poursuit avec leur deuxième tireur. Ah, le contre-pied aurait pu fonctionner, mais c'est loupé. Et voici le deuxième tireur. Oh, directement sur le gardien. Ah, il s'est fait avoir, le gardien n'a absolument pas bougé. C'est une erreur énorme. Il a raté ce penalty. Ah, c'est dommage, c'était presque parfait. Il avait battu le gardien. Malheureusement, ça ne rentre pas. Voici le troisième dans l'ordre des tireurs. Quelle parade! Ah, mais il y est excellent, ce gardien. Il y est excellent et surtout très, très fort dans l'anticipation. Le voilà, et ce n'est jamais simple d'être le quatrième tireur. Quel calme, quelle sérénité. Il est incroyable, il ne laisse aucune chance au gardien. Nous en sommes donc au quatrième tireur. En force dans l'axe, sans se poser de questions. Regardez la facilité. C'est too easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu les gardiens. Aussi simple que précis, le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Oh, la pression. S'il rate, c'est fini pour eux. Il marque! Rien n'est encore joué! Les règles sont toutes simples, maintenant, c'est la mort subite. C'est raté! Pourtant, le gardien était parti du mauvais côté! Son équipe compte sur lui, il peut lui offrir la victoire. L'espoir, maintenant, est entre les mains du gardien. Son équipe peut continuer à rêver. Le voilà en espérant que le chiffre 7 va lui porter bonheur. Il a vraiment eu les nerfs solides, ce n'était pas facile de la mettre. Peut-être la dernière frappe. Et le ballon dans les filets, tout n'est pas terminé pour eux. Le gardien a été pris à contre-pied. On en est donc, imaginé au huitième tireur. Regardez la facilité. C'est too easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu les gardiens. Il faut la mettre au fond, sinon c'est terminé. Oh, il marque. Ça va mieux. Quel calme, quelle sérénité. Il est incroyable. Il ne laisse aucune chance au gardien. Non, vous ne rêvez pas, nous en sommes bien au neuvième tireur. Oh, l'arrêt du gardien! Il est vraiment très très bon, ce gardien. Il avait lu toutes les intentions du tireur. Il savait exactement où il allait le placer. L'espoir maintenant est entre les mains du gardien. Oh, place sur le poteau! Aïe, 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 c'est dommage, le gardien était bien battu, mais le ballon ne voulait pas rentrer. Le moment est venu pour le capitaine de montrer l'exemple. Aussi simple que précis, le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. La Côte d'Ivoire qui doit impérativement marquer pour espérer encore. Peut-être la dernière frappe. Et c'est au fond des filets. Quelle ambiance, là!
On l'a senti en confiance et c'est le contre-pied parfait. Et maintenant, un face-à-face entre les deux gardiens. C'est toujours étonnant de voir ça. C'est marqué dans l'axe. Oui, il a bien tiré. C'est un penalty superbement placé. Il faut la mettre au fond, sinon c'est terminé. Et le ballon dans les filets, tout n'est pas terminé pour eux. Et bravo, c'est le penalty parfait, joli contre-pied. Quel arrêt impressionnant! Oui, mais il est trop fort là, le gardien. Regardez, à mon avis, il a réussi à déconcentrer le tireur. Le gardien doit s'imposer, sinon c'est perdu. L'espoir maintenant est entre les mains du gardien. C'est fini, la fin du match. Et perdre dans une séance de tirs au but, c'est bien sûr toujours particulièrement frustrant. Ce match s'est joué à rien, vraiment. Souvent, le public adore ces moments-là, mais il faut dire que c'est très compliqué.